Bonsoir, et c'est reparti pour un Vatsim au départ de Brest. Alors, on a des passages de petits avions et un décollage imminent d'un gros. De toute façon, il est 21h30, j'en suis pas encore là. On va déjà faire démarrer le bazar s'il veut bien. Voilà. Ok. Alors, ça c'est on, on va voir ce qui fonctionne. Ça c'est l'autre bouton, c'est parfait. Icône au démarrage. Frein de parc. Ça fonctionne. On est pleine richesse, plein RPM. Alors, il veut pas. Sans le noyer. Ok, la pression elle est montée, 1200 tours. Avionique Master. Nav, taxi. Lance le garde, strobe évidemment. Il n'a pas commencé à me casser les pieds lui, si. Bien. Alors la fréquence de base 122,8. Il n'y a pas de tour active, il n'y a pas de gyre active ce soir, on va être tout seul sur la fréquence. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh garçon, t'es chez moi. Bon, le power de scène. Génial. Alors, voilà, on va le laisser chauffer. Il est 33, 1200 tours. Et de manière habituelle, on va vérifier 2-3 bricoles. Donc, vous avez été boqué. Ah, d'accord. Voilà, de l'imprévu. Alors, donc, LFRB, LFRN, on passe par là. On avait dit qu'on décollait à 20. On est dans les temps, pardon. 1h20, 122 avec le 120, 182. Et voilà, c'est parti. Donc, je le file et je passe en mode Charlie. Brest Tour de Fox, bravo Mike, bonsoir pour un essai radio. Fox Bravo Mike, humanité Delta 08, 5 sur 5. Bonsoir, merci, 5 sur 5 également. Comment vas-tu? Ah bien, je vais te suivre, je vais rentrer des points, je vais aller avec vous. D'accord.
C'est quoi comme appareil? J'ai pris un Beech 58. Ça, c'est un Beech 58. D'accord, ok. Bon, ben, il y a une résolution d'appareil qui n'est pas au point là. Parce que pour moi, tu es un liner biréacteur à l'arrière. Genre une petite. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est pour ça que tu es sur le parking à l'aviation générale. Ça fait bizarre d'avoir un réacteur ici. Non, je te rassure, je suis un plus petit que ça. C'est clair. Alors, 112,5, 112,5. Voilà, ça c'est le premier voire. Il est passé, il est passé. C'est le premier voire dont je vais avoir besoin. Et la route est un 105. 105, 105, 105. Voilà, ok, donc on le captera quand on sera en l'air. Et j'en aurai un deuxième après. Ça sera celui de Rennes. 109, 25, 109, 25. Voilà. Ok, c'est bien. Donc on a 112, 122,8. Celui-là, pour le moment, on s'en sert pas. 112,5, 109, 25, c'est parfait. Lui, il est réglé. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On a du fuel. 20 gallons. Ah oui, c'est ça que je voulais vérifier avant de mettre en marche, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est bon. Ok, alors au niveau des informations, donc on est sur un vent. Alors ça, ce sont les rafales. Voilà, ce soir, j'ai pris une altitude de référence de 3000 pieds, puisque ça va être celle que j'ai choisie. Pour se faire un peu secouer, pour avoir beaucoup de vent en arrière, comme on va le voir. Donc on part d'ici, on vient jusque par où je l'avais repéré tout à l'heure. Par là, en fait, on vient par ici, donc le vent arrière. C'est ça. Ensuite, on va sur Saint-Brieuc, puis sur Dinan, et ensuite sur Rennes. Donc vent arrière, à travers, mais pas tant que ça. Pas autant que j'aurais voulu. Saint-Brieuc de l'arrière et ensuite du travers droit, donc et travers gauche au début. Le site. Donc on est sur LFRB. On nous donne du 240 pour 1022 hectopascal. Je suis en météo réel. Il dit quoi? 1022 hectopascal. Très bien. Donc c'est bon. 4 degrés. 240 6 nœuds. Là, le temps qu'il fait, c'est pas grave. Et le temps qu'il y a à faire quand on arrive, on le verra tout à l'heure. Donc justement, AeroWeb, voilà ce qu'on a. Pas énormément de nuages a priori. Si on prend les nuages, ça y est, il y a l'autre là qui commence à péter un câble. Bon, on s'en fout, ça va pas gêner le toit. Des nuages élevés, il n'y en a pas. Des moyens, il y en a quelques-uns. Et des bas, très très peu. On n'ira pas jusque-là puisqu'on va ici. Voilà, peut-être par là tout à l'heure. La base des nuages, ou enfin, la base des nuages, elle est très haute. Hein. Rien à part, donc c'est qu'elle est vraiment haute. Et les visibilités sont bonnes. Donc, bon, la carte des fronts, on est sur des 1020, 1022. Donc, bon, 1020, parfait. On peut fermer ça. Ça, je ferme aussi. Donc, on a vu qu'on avait des 30 nœuds. Secteur vraiment ouest, quasiment ouest. Hein. Ok, ça va, c'est bon, on est là-dessus. Bon, c'est du 2000 pieds, 3000 pieds à 5000 pieds, ça monte encore plus. Normal. C'est celle de 21h, c'est bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? 8, V8 localement, V5. Brouillard. Nous, on va jusqu'où? On va. Ici, on va là, on tombe dans des quoi? Nuages. Broken, localement scatter. 2 à 5 000 pieds. Bon, 8 localement.
actuellement V5, voire 1,5. Ouais, il y a des endroits, c'est pas terrible. 3 à droite, turbulence modérée faible jusqu'à 5000, localement plus forte. Alors, ça, c'est montagne. Le 1 là-haut, c'est sur la mer. Ah, on excusez, c'est pas loin. Hein. Puisqu'on va passer par là, bref, à peine. Si, j'y vois à peine. On sera pas sur la mer. Donc là, qu'est-ce qu'on a, Nab? Des nuages d'altitude élevée. Non. Côté nuages, il n'y a rien de bien méchant. Ah, par contre, 0 degré à 3000 pieds. Moins 10 à 7000. Très bien. Alors, le Métard tout à l'heure disait qu'on était dans les 250, donc ça sera une piste. On verra à quoi elle ressemble. Skater, ok, ça ressemble temporairement, mais ça s'est passé. Il va pouvoir avoir des rafales. Bien, voilà le trajet qu'on va faire sur la carte. Ici, le Vore, Saint-Brieuc. LFEB et Rennes. Bon, alors ça, j'en ai plus besoin. Je ferme ça aussi. Vatsim Map, on va la conserver pour voir un peu l'activité qu'il y a. Tiens, il est passé, il est là, Eric. Il est parti il y a déjà un quart d'heure, 20 minutes. Et il va en ligne directe sur Rennes. Ah, là c'est Patrice. Bon. Donc j'ai la carte VAC de Brest. On est juste ici, là. Aéroclub. Je suis là en fait. On va rouler. Écho. On part à gauche. Oui, puisque le Métard, ben, je l'ai fermé, tant pis. Donc Rennes. Alors Rennes, on a deux pistes. On verra ce que nous donne le contrôleur. 25, il y a des chances qu'on soit sur la 28 en fait. Et donc on va arriver par le nord, par Novembre Whisky. Ce qui veut dire qu'en fait, on va prendre Novembre Whisky, Novembre, arriver ici, et puis après on va voir pour intégrer une vente arrière. Enfin, j'imagine. Alors, je vais le faire tout de suite. Adapter. Même si je le regarde pas, c'est pas grave, ça servira de référence au niveau du tracking. Voilà. Donc, je vais centrer ça ici, comme ça, et comme autrefois, de temps en temps, je viendrai sur la carte, je fermerai les yeux, et on verra ce que ça donne, et on observe ça à la fin. Donc, on y revient. Et ce soir, nouveauté. Je vais essayer de remplir un log de nav. Que j'explique pas, il est déjà bien tard. Donc, on se remet sur la carte. Celui-là, on peut le fermer. Déconnecter. Au revoir. Donc, il reste Windy, on s'en fout. La map, ça c'est juste pour avoir un peu la situation avec les copains. Le géoportail, les deux cartes. Et c'est parfait. Bien. On est dans l'appareil. Et on va partir. Depuis Echo, je m'aligne piste 25 gauche. Brest de Fox, bravo Mike, bonsoir. Brest, le Fox Golf Alpha, bravo Mike, un C182, deux personnes à bord au parking Aéroclub. Je roule pour pénétrer sur la piste, un décollage à destination de Rennes après le bimoteur qui pénètre actuellement. Bon, là j'ai été un peu rapide quand même parce qu'à dire que je pénètre sur la piste, on va éviter de casser les machines.
piste 25 gauche, autorisé décollage. Alors, c'est dans le vert. Salut Phil, à tout à l'heure ou à plus tard. Bon, donc moi aussi j'ai un problème de résolution des... Nickel. Là je trouve que ça fait un bruit un peu bizarre. Bon. Brest de Fox, bravo Mike. Petit problème moteur, je retourne au parking pour vérifier des bricoles. Voilà ce qui se passe. J'y avais pensé, hein, mais non. Picon, on garde. Refuler un peu, puisqu'on est à côté de la station. Voilà. Non, tout va bien. Alors, le moteur est chaud. Sont actifs. Peut-être trois injections alors. Sur 7000, on a les fréquences, c'est bien. Je vais faire les essais moteurs ici, ça sert à rien de bouger.
Et j'ai pris, je prends pas l'autre exprès pour pas avoir de problème. Bon, eh ben, on va quand même partir, juste pour le fun, et on va voir si cette fois ça marche ou pas. Allez. Hein? On est suicidaire ce soir. Non mais oh. Juste pour avoir un problème moteur. Reste de Fox, bravo Mike. Départ de l'avitaillement, roulage, point d'attente pour un décollage sur la 25. Ça, c'est une phrase à deux balles. Non, mais je le vois pas le truc. Bon, allez. On regarde ça à nouveau. Putain, le moulin, il tourne bien là. Reste Fox, bravo Mike, au point d'attente. Écho, je pénètre sur la piste pour un décollage sur la 25. 25 ou 27, je ne sais plus. Avec tout ça. Vas-y doucement en pénétration. Toujours très doucement. C'est raté. Donc on est sur la 25. Et on va sortir comme ça, vertical, par Sierra Whiskey. Un cran de volet. La pompe. Reste de Fox, bravo Mike, aligné sur la 25, je décolle. Et il est 54, on va penser à le noter. Donc là, je réfléchis à ce que je vais faire si jamais le truc il décolle pas bien. Reste le Fox Bravo Mike en montée initiale pour une verticale terrain 1700 pieds et une prise de cap vers l'est. Ça fait déjà secouer. Ok. Éviter de consulter Little Nav Map sur l'autre. On va juste vérifier que le tracking est bien parti. Il est bien parti. Et on vire à droite. Donc ciel dégagé. Donc on va surveiller le moteur en particulier. Évidemment, Henriette, je ne serais pas parti.
Alors l'autre fois c'était le Piper qui contrariait, ce soir c'est le 182. À rien y comprendre. En plus il a volé il n'y a pas longtemps. Donc on a 10 800 pieds. Et donc la première route c'est du 105. Voilà. Alors, je vais même prendre du 100. Alors, on a dû vendre combien a priori? Pas beaucoup. Bon, on va faire comme toi, on va se faire secouer, hein, tout le vol. Non, alors, Pascal. Brest, Fox, bravo Mike, vertical terrain, 1900 pieds pour une prise de route. Donc, 105 à destination de Rennes. Ok, on affiche bien le 120. Stable à se faire secouer. C'est vers ici, c'est vers là-bas. De toute façon, j'ai dit que j'allais monter, hein. C'est vrai que si le c'est 3000 pieds. Bon, on admire Brest en partant. Route 120, je commence déjà très fort. Je suis pas parti, quelque chose est en train de me perdre. Alors, a priori, on a un vent d'ouest. Voilà, je vais afficher ça comme ça. Il faut que je passe au-dessus. Je sens qu'il va être pénible ce soir. Voilà, donc on a la ville ici, c'est Landerneau. D'accord, ok, on a des petits. Passe à côté de la voie de chemin de fer qui longe. Oui, bien sûr, la carte, elle est là. Ah, la voie de chemin de fer qui longe ça en principe. Donc on ne va pas être trop loin de là où on veut. Donc ce soir, on est dans les scènes France VFR, donc en 3DA. On voit la différence. Il n'y a pas photo. J'ai l'impression que je suis un tout petit peu au nord de l'axe. Brest de Fox Mike Bravo, 2400 pieds en montée vers 3000. Quitte la fréquence. Au revoir, bonne fin de journée. Et hop là, donc il y a du vent qui pousse, je dirais. Je suis sur du 130, eh ben ça me va aussi. Donc on a dit 21h54, ça c'était la prise de route. Et toi tu vas me tenir à 100 degrés. Donc là je peux pas afficher la carte ou essayer en permanence sur l'écran, donc je l'ai par contre sous les yeux sur l'autre ordinateur. On peut être déçu du voyage, hein. Je vole ici pour me faire secouer. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en face là-bas? Ah, on a un petit lac en face à droite.
Ouais, ça tombe bien, j'en voulais un aussi. Donc on croise des routes. Oui, voilà, la route elle est bonne. Partout, température, pression. C'est 3000 pieds. Donc en principe, on doit la suivre pendant 18 minutes. Donc 55 et 20, ça fait 15. Environ de 10-12. D'accord. Donc là, on en a un premier. Et il y en a un deuxième un peu plus loin. Bon, on est plutôt bien placé. Donc c'est bien ce que je disais, un peu au nord de la route, puisque je devrais passer à la verticale de celui-ci. Là, ouais, ça ressemble à la forme qui va bien. Ok. Bon, il ne veut pas monter. Hein. Là, j'essaye un peu voir le régime des RPM. Ok, 3000 pieds. 120 nœuds. À combien parce qu'il est le taquis là. Je vais me mettre à 2000 tours. Alors le prochain aérodrome il se trouve où? Loin. Donc on en a passé un. Voilà. Il y en a un deuxième un peu plus loin. Donc on est là. Alors sachant qu'en fait je devrais passer en tangentant le suivant. Press traffic, this is Magpie 45 Charlie, established on the localizer from way 25 left. Ah bon? Oui, alors justement, tiens, normalement ça sert à ça. Le VOR, donc il est à droite, c'est confirmé. Je vais aller le chercher et on va rester dessus. C'est le mont d'arrêt. Ah, bon, si c'est un mont. Voilà, je pense qu'ils auraient pu être trop loin de la trajectoire. Il est déjà 4, on a dit, non, 6 minutes. Environ 10, hein, puisque je prends en compte aussi la composante devant-arrière et même peut-être même avant 10. Quelque chose qui ressemble à des monts là. Voilà, ok, j'allais dire peut-être qu'il est un peu à gauche, effectivement, un petit peu à gauche. On a des éoliennes par là, ouais, c'est ce que dit la carte. Garçon, tu restes à 3000. Je cherche le terrain le plus proche. Il est à Morlaix, donc là on a passé. Il est à notre nord, Morlaix. LFRJ. Bon, 2900 pieds. Stable, 130 nœuds. Ça me va. Et là j'ai encore dérivé. On attrape le VOR. C'est bien quand on se passe au creux. Je perds d'altitude, c'est normal. Bon, il
s'agirait d'attraper avant d'être trop près, parce qu'après on pourra plus bien le capter, ça sera plus fiable. Bon, allez, on y va, Franco à gauche. C'est un truc de fou, cette histoire. Ah oui, d'accord. Donc là, je cherche à rentrer dedans, hein, si je puis dire. Parce que je m'en approche. Que ça. D'accord, donc en fait c'est bien le vent qui m'a fait dériver. Voilà, je crois qu'il bouge un petit peu. Alors le mont d'arrêt. Hop là, on vient. Voilà, 105. Pratique ces aiguilles. Ah bah tiens, il doit être en face là. Alors, quand on sera au mont d'arrêt, sur la droite, il y aura carré. Carré Pouguet. Pouguet, je sais pas comment on dit en breton. Il y a une ville là. Ouais, peut-être. Il y en a une petite juste avant, voir à gauche. Alors, la route suivante. Là, on est dans le vert ici. C'est là. Je suis à gauche. Alors la route suivante, c'est du 70. Voilà, ça serait le patelin que je cherche là-bas. Et le Vore est quelque part devant. Il est 8. Pas grand chose pour le perdre. Hein. Bon, donc ça c'est la ville qui m'intéresse, le Vore est juste devant. Et j'ai pu le chercher. Je suis trop près. Peut-être trop près. Alors un petit patelin avec une route. On est à peine un outil ou deux. Du Vore. Là, une petite rivière peut-être quelque part. Colline, un peu de forêt, ouais. Un petit peu d'eau là-bas. Tu vas où toi? Ah tiens, visuel sur le bord. Si c'est pas ça le bord, je sais pas ce que c'est. Et il est 10. Voilà, juste ici. On va dire que c'est ça. Voilà, ça peut pas être autre chose. Allez, hop, on vire à gauche. Et il est 9, presque 10 en fait. 70 en palier. Voilà, donc là on va avoir un vent de traviole. Je vais prendre, on est dans les 39, je vais prendre 10 degrés. Alors, là on va se prendre un peu 60. Pieds, justement c'est le but ce soir, c'est de prendre une composante latérale et de voir comment on la subit. Panne de
22h10. Oh, 22h10. Alors, normalement, il ferait des calculs, mais pas dans celui-ci. Ça, j'aime pas quand je vois ce genre de nuage apparaître. Pour une distance de 32 nautiques, donc on est parti pour un quart d'heure, on va aller jusqu'à 25. Sauf que là, ça se verra bien parce qu'on sera sur la côte. 3500 pieds, ah ouais. Alors, donc on a dit 0,70. D'aller trop à gauche maintenant pour le coup. Donc je vais intercepter l'or qui est bien derrière moi. Voilà. Donc, je vais le chercher. Et dès que je suis sur 70, je reprends la route. Hein, moins 10 degrés. Voilà, on s'approche. Je suis à l'est, j'ai 30 degrés à récupérer. Il faut que je prenne mon 60 vite fait. Voilà. Ok, maintenant il faut que je contrôle ça. Voilà, 140 nœuds. R, c'est parfait. Alors, on va traverser une voie de chemin de fer d'ici peu. Et on reste sur le 60 degrés, donc on reste sur l'autre. On a des éoliennes droit devant, c'est bien, elles sont loin. Qu'est-ce qu'on a de beau? Une route, ouais, il y a une route, un village, kayak, ouais, ça doit être ça, Kalak, pardon, 0,60, peut-être un peu trop fort comme dérive, je m'éloigne, d'accord, allez tiens, on va faire un petit tour ici, j'ai fermé les yeux, sauf que lui, il suit pas l'appareil. Voilà. Bon, j'ai vu que c'était bon. Toujours des détails qui tuent. Je suis au 60. Le vent, il est un peu à droite, donc j'ai pris trop de corrections. Des éoliennes déjà. Ah tiens, sur ma carte, il n'y a pas d'éoliennes. Alors, d'autres éoliennes. Il n'y a rien de particulier là-bas, de la forêt. Ouais, je vais passer au-dessus d'une forêt. Pourquoi pas, ça doit être ça. Je suis à nouveau sur du 70. Alors, juste regarder sur l'autre. Il indique un grand speed de 157. Donc sur l'autre, j'ai dit de la map, comme ça je peux... Merde, c'est pas ça que je veux faire. Et j'ai un 150 de grand speed. Donc c'est terrible. Donc on va y arriver encore plus vite. Ah ben si sur l'autre je vois la carte... Je suis 500 pieds au-dessus de ce que je voulais. Mais... Je suis toujours sur l'or, c'est bien. Je suis sur...
apparaît sur la carte, 7 signes de tension. 60. 65, 60, c'est bien. Donc, quelque part, tout est arrivé, voir une ligne de tension, ça devrait pas trop tarder sur la voie. Ah, il y a un petit lac. Ah, si, il est indiqué le petit lac. Ok, je sais où on est. Alors, on va regarder. Non, pas ici, mais là. On est par là. Là, il y a un petit lac. Et là, il y a la ligne de tension qui se dénouble. Donc, devant nous, on a Saint-Brieuc au fond là-bas. Est-ce que ça se voit une ligne de tension de cette altitude? Pas évident. Excessivement vite. Alors, où est-ce qu'elle est ce patelin là? Là, on est ici. Bon, 60, les 10 degrés de dérive, c'est pas mal. Personne en fréquence sur Unicom aux abords de l'aérodrome. Ah tiens, on voit quoi là? Papy de l'aérodrome. Je suis bien dans l'axe. Ah bah ça va. Hormis les 500 pieds, je me tire bien. Alors, on va préparer la route suivante. Pop, 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 pop. 102 pour 30 nautiques. À destination de LFB. Donc pour le coup, quand on regarde la carte, on va passer comme ça, mais je vais aller évidemment plus loin pour pas survoler la ville, j'ai pas la bonne altitude. Donc je vais aller plus loin, parallèle, juste en bordure ici, et ensuite venir récupérer là. On verra bien, faut que je me rapproche de l'emballe, mais pas trop près. Pour le principe, on va faire un appel. Saint-Brieuc de Fox, bravo Mike, bonjour. Saint-Brieuc de Fox, Golf Alpha, bravo Mike, 182 en provenance de Brest à destination de Rennes. 3600 pieds visuels sur les installations. J'arrive par le sud. Je vais passer vertical du terrain, vertical de la côte, contourner Saint-Brieuc par le nord et prendre une route à destination de Dinard dans un premier temps. Dinan. Voilà. Il est 20.
Alors, juste pour le fun, on va voir où sont les copains. C'est moi qui suis là. Là, il y a quelqu'un, mais il est posé. Ça, ça doit être Phil. Ok. Bon, ben l'an dernier, ils sont en vacances un peu plus par là-bas. L'île de Bréa, tout au fond là-bas. Ok, il est 21. Marquera 22. Saint-Brieuc de Fox, bravo Mike. Vertical des installations, 3600 pieds. C'est dans le vert, l'essence, il y en a encore. Tous les indicateurs sont au vert, température, pression d'huile. Saint-Brieuc par le travers. Au fond, là-haut à droite, par là-bas au loin, Fréhel, Cap Fréhel, bien avant ça, peut-être plutôt par ici, le Cap d'Erquy. Alors le patelin à droite, oula, je vais filer vers l'est, pas bon du tout. Ok, je suis vertical de l'autoroute. Carte verticale autoroute, ça va, je suis pas passé au-dessus de la ville en principe. Donc là, on prend V30 degrés. Bien, alors le mille orange, elle va jusque là, donc on dérange pas. Là-bas, on a la réserve naturelle. Je passe au-dessus d'une plage. Ok, comme point de sortie, c'est pas mal. Regarde la côte, ouais, c'est ça. Allez, on va commencer à virer gentiment en palier de préférence, merci. Premier temps, je vais chercher le 80. Voilà, pas tout à fait à l'est. Ok. Il n'y a plus de ville, on est sur la côte. Je suis sur un 110 là, il y a un truc qui me paraît bizarre. J'ai bien dit 102. Alors on va faire confiance à ce que j'ai dit, 102. Ah, ok, je vois l'autre patelin. L'emballe. Normalement, j'aurais être plutôt par là. Ok. Très bien. Allez. Là, je vais prendre une route franchement ici. On va croiser une route qui monte vers la côte ici. Ok.
j'essaye d'imaginer la trajectoire que j'aurais eue si j'étais passé au-dessus de la ville. Bon, il n'y a pas d'autre patelin, il n'y a que l'emballe. Un bout de forêt, mais il n'est pas représenté sur la côte. Pléneuve-Val-André. Non, là-bas, c'est Erki. Ah, c'est pas simple de reconnaître. 150, et puis quoi encore? Bon, là, on va remonter un peu vers le centre. Alors on a des éoliennes après l'emballe, ça me va. À tirer à droite là. Ah, donc j'ai tendance à vouloir aller à droite plus exactement, à pas suivre la route indiquée. Donc là, j'ai pas trop de dérive à corriger, voire pas du tout, puisque on est vent arrière. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Comme repère sur la carte, il n'y a rien du tout en fait. Et on va croiser le chemin de fer, c'est tout. Qui traverse la forêt. Ça tombe bien, il y a la forêt, il y a une ligne de chemin de fer. Donc je la vois. Bon, il y a un petit lac, mais il n'est pas indiqué sur la carte. Mais la voie de chemin de fer qui traverse la forêt, a priori, ça doit être ça. Bon, allez, on va faire un petit coup de ça. Je ferme les yeux. Je reviens. Là, j'ai repris câble. Alors, est-ce que je vois une ligne de chemin de fer ou est-ce que je veux voir une ligne de chemin de fer? Et là, je me fais secouer. Il y a un truc bien rectiligne qui traverse. Je sais pas si c'est une voie ferrée, mais ça fait un angle à sortir de la forêt. Il n'y a rien d'autre. Bon, ok, je valide ça comme une ligne de chemin de fer. Là, je vais un peu trop vite pour la map. Qu'est-ce qu'on a loin devant?
Foxtrot, bravo Victor, bravo Victor, ah, c'est... Ah. 126-25. Une minute verticale, novembre, Echo Delta 2010. Voilà, on a l'FRN affiché à Latis 126-4. Bon, alors 126-4 et 126-25. Donc c'est dommage, j'ai vu que j'étais un peu trop au nord. Alors. Mais je m'en fous, effectivement, de toute façon, je suis un peu au nord. Là. Je vais basculer sur le bord de Rennes, c'est fait. Alors le bord de Rennes, je vais le chercher, on va le voir. Ouais, plutôt par là. Et oh, tu fais quoi là? On va être dans les 140, 150. Voilà, à l'estimation. Alors il dit quoi? Novembre, Echo Delta. Alors je vais regarder sur Little Navmap, à quoi correspond. Ah oui, mais si je fais ça, d'accord, ok. Donc on était à 15 minutes, ça fait 35. On ne va pas être loin, malgré l'éloignement. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là? Ah tiens, ça y est, on est bon, sur Dinan là. Ok, donc je suis. Dinan de Fox Golf Alpha, bravo Mike, bonjour. J'ai perdu le... Dinan, le Fox, bravo Mike, 182 à 3700 pieds au sud de vos installations, environ 2 nautiques visuelles sur le terrain à destination de Rennes. Je ne passe pas à la verticale des installations. Ok. La route suivante, c'est du 148. Bon, donc je me suis fait avoir, enfin j'aurais pu me faire, hop là, 148. J'y suis déjà dessus. Donc en fait, j'y dérive complètement. Bon, je vais garder à 160, pardon, parce que j'ai du travers de 30 nœuds. Et en principe, je vais pas tarder à tomber dans la TMA de Rennes. Alors ça, c'est la TMA de Rennes, 2500 pieds. Ah ben, en fait, je suis dedans, tiens. Elle n'est pas active. Ouf. Donc on a dit 150, 160. Ok, alors je regarde déjà la vague. Le tour de piste, c'est 1100 pieds. Je vais pas tarder à commencer à descendre. Tiens, d'ailleurs, je descends 2500 pieds. Dinan, le Fox, bravo Mike, au sud des installations. Je descends 2500 pieds. Et on cherche Red qui est devant. Et il est 34, point de passage. Le 150.
ça, je serai pas loin. Il y a que dalle hein, pour se repérer ici. Voilà, 2500 pieds, 150, on réduit, enfin on reste. Voilà. 150. Ah, tiens. Voilà, merci le vor. Donc il y avait 15 minutes 35, 40, 50. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Ah bon, on arrive dans la TMA, au niveau de la zone de la TMA. Ok, je bascule. Wolf for information, Victor. Victor. Observation at 2100 ILS 28. Departure runway 28. Transition level 50. Wind 230 degrees 8 knots. Cav OK. Temperature 5.2 degrees Celsius QNH 1022 hectopascals. No significant change, first contact V2200 Zulu. Wolf. Mission at 2100 ILS 28. Departure runway 28. Transition level 50. Wind 230 degrees 8 knots. Cav OK. Temperature 5.2 degrees Celsius QNH 1022 hectopascals. No significant change, first contact V2200. Okay, Wolf for information, Victor. Victor. Observation at 2100 I. Ok. Je suis sur Rennes. Information Victor. Alors, a priori, l'information Victor. Ah là, c'est ça. C'est ce qu'on vient d'entendre, cet écrit-là. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là? 126-25. Ok. Rennes Tour de Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonsoir. Une tour, le Fox Golf Alpha Bravo Mike, un Cessna 182, deux personnes à bord, en provenance de Brest après un passage par Dinan, 2500 pieds avec l'information Victor pour destination de vos installations. Fox Golf Alpha Bravo Mike, bien reçu, prévoyez main droite piste 28, intégrée plutôt. Main droite piste 28, rappelée pour la base. Pour un complet, donc ce sera sur la 28 en main droite, je rappelle, base Fox Golf Alpha Bravo Mike. Pour information, le QNH est de 1022. QNH 1022 affiché Fox Bravo Mike. Alors là, je suis au sud.
Rien de tour de Fox, bravo Mike. Bravo Mike. Donc pour information, Rennes Tour Le Fox, bravo Mike, premier voyage à destination de Rennes dans la région. Donc je découvre, si vous me voyez hésiter, c'est un peu normal. Reçu. Si vous avez besoin de vecteur, me le dites. C'est reçu, merci. Je vais voir ça d'ici 2-3 minutes. Alors, comment on distingue le nord du sud de l'est ici quand on ne connaît pas et quand on n'a pas suffisamment préparé? Hop là, voilà, je suis dessus. Là, je cherche à comprendre ce que je vois dehors et ce qu'il y a sur la carte. On va faire un petit truc amusant. On va se remettre là, j'ai fermé les yeux, blablabla. On revient ici. Alors, le Vore, il part à gauche. Et visuel sur l'installation. Rennes Tour de Fox, Golf Alpha, bravo Mike. Bravo Mike, je vous écoute. Donc le Fox, bravo Mike, 2500 pieds. Pour descendre 1500 pieds, je viens d'avoir un visuel sur l'ensemble des installations à l'instant. Reçu, donc intégré, donc vent arrière main droite de la 28, 1100 pieds. QNH 1022, donc je descends pour intégrer une vente arrière en main droite sur la 28, tour de piste à 1100 pieds. Donc. Retour à France 3127, on a dégagé par Delta. Air France 3127, roulé pour le parking Charlie 3, rappelé dans lesquels profiter. Ok, ok, j'ai un visuel sur l'axe de la piste. Bon, ça c'est pas normal, voilà. Donc là, je suis 1200 pièces, c'est bon. Un peu trop rapide. Ok, je m'accrande voler. La pompe. Et je vais chercher une distance correcte par rapport à la piste et m'intégrer sur la 10, enfin en axe 10. Il est 22,45. Donc sans aller barboter Nantes là-bas. Sur un convergent 120, je suis un petit peu loin.
Donc on a dit la pompe, Léon, j'ai mon cran de volet. Plus qu'à bien m'installer sur la pente arrière maintenant. Ok, 110 à peu près, 1100 pieds, 80 nœuds, c'est valable. Rentour Fox Bravo Mike, passe en base. Deuxième cran de volée. Rentour Fox Bravo Mike en base main droite pour un complet sur la 28. Bravo Mike, les vents 210 degrés pour 6 nœuds, autorisé atterrissage piste 28. Piste 28, autorisé atterrissage Fox Bravo Mike. Trois crans de volée. Donc 210, ça vient de la gauche. Pour le moment, je ressens rien. 80 nœuds. Rentour Fox Bravo Mike, vitesse contrôlée. Je sors sur ma gauche, je roule au parking aéroclub à convenance. Fox Bravo Mike. Ah oui, en plus le parking aéroclub là il est un petit peu. Ok, donc on s'arrête. On enlève la pompe et on regarde la carte VAC. Hop, 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 hop. Alors 28 ici, je suis en Charlie sans doute. Ok.
Golf. Ok. En fait, j'ai été un peu loin pour le parking aéroclub. Le parking aéroclub, il est juste après l'entrée de golf ici. Bizarre pour ne pas rien au club. Ok. Rennes, tour du Fox, Golf Alpha, Bravo Mike, au parking Euroclub pour vous quitter. Je vous quitte, au revoir, merci pour l'accueil, à tout à l'heure en débriefing peut-être. Fox Golf Alpha Bravo Mike qui t'écoute. Et il est 22h55. Ah tiens, j'avais pas remis ça. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais il est fatigant. Hop, on le coupe. Et donc, avant de le couper, maintenant, on va regarder le tracé, et on enlève ça, ça sera plus simple. Alors, ok, j'étais un peu par ici, effectivement, on recherche l'axe, donc là, l'étang, je l'ai vu, c'était bien, donc ce que je disais, je devais être au-dessus. Là, après, effectivement, j'ai vu que j'étais reparti, là, j'avais carrément le vent à gauche, donc j'ai tapé pour aller le chercher, et ensuite le trouver. Finalement, j'ai dérivé, enfin, j'ai pointé vers la droite, ce qui fait que je l'ai vu en basse, en bas, heureusement. Sinon, j'allais je sais pas où. Ensuite, le suivi du vore, bah, il n'a pas été trop mauvais. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Donc, là, on est passé, effectivement, comme ça, au niveau du terrain, on l'a bien vu. Là, j'ai vu qu'à un moment donné, j'allais partir vers l'est, c'est pas bon, crac. Rond contournement. Jusque-là, c'était pas mal. Ensuite,
rétablissement, donc globalement dans l'axe. Là j'ai vu la carte, donc j'ai pas fait exprès de voir que j'arrivais ici, donc je l'ai cherché rapidement, je l'ai trouvé, et ensuite orienté vers là. Ouais, la prise de route ensuite elle est un peu aléatoire, hein. Bon, complètement aléatoire même. Là, occupé à faire deux choses en même temps, pas bon du tout. Ah, mais j'étais pas loin de ce que je cherchais finalement. Un cheminement pas trop mauvais, c'est peut-être pour ça qu'il a rien dit. Et ensuite, un tour de piste pour arriver au parking aéroclub en principe qui est là. Bon, ouais, c'est pas trop mal, mais il peut faire beaucoup mieux quand même. En tout cas, c'était sympa. Allez, ben là-dessus on se termine. On se quitte. Hein, à, pas à mardi prochain pour un prochain vol, mais à mercredi pour le vol VATSIM du mois proposé par l'Aéroclub France VFR. Allez, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Et voilà, pour compléter la séquence, atterrissage d'un appareil. Bon, le problème c'est que je suis pas en fréquence avec la tour, donc on n'entend rien. On va faire ça. J'ai même pas mis le gilet jaune, rien du tout. Le contrôle ne me voit pas. Je suis là, mais je suis pas là. Même faire un truc sympa avec ça, c'est ça. Ça a pas l'air comme ça, mais il y a des années de pratique. Haha. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Quel. Mais là, ce qui est amusant, c'est que rien ni personne ne me voit. Personne. Les contrôleurs, le pilote, et rien, le système ATC. Ah ah. Bon, salut, moi je m'appelle... Je m'appelle comment d'ailleurs? John. Non. Alors on peut faire mieux que ça même. Là, je suis dans le bonhomme. Tiens, je n'en sais pas tout à l'heure. Alors, par contre, pour le piloter, le bonhomme, c'est une autre histoire. On a intérêt à faire bien attention à ce qu'on fait. Un cran en avant. Hop là. On va pas se faire avoir, bien. Sympa la cible comme ça aussi.
Ah, damnette, je me suis trahi. Faut faire gaffe parce que dès qu'on se met à partir en rotation, casse pas mon avion. Hein. Non, ça va. Je me remets dedans. France, bienvenue à Rennes et merci d'être venu. À bientôt. Merci du service et à très bientôt. Au revoir, Fox Bravo. Ah, s'il n'est pas mon truc. Salut Dominique. Bonsoir Pascal. Alors, bon vol. Oui, ça va. Tu regarderas bien la fin de la vidéo quand elle sort en ligne. J'y manquerai pas. Ça serait dommage pour toi. Petite surprise improvisée. Je savais pas que c'était toi. Allez, à tout à l'heure en briefing peut-être, ou à la prochaine. Ciao. Et voilà qui termine, cette fois vraiment, la vidéo. Bye bye, à bientôt.